Devlog, le survivant, troisième partie. Je vais vous présenter un petit peu les nouveautés, les dernières choses que j'ai mises au point depuis l'épisode numéro 2. Alors, je vais carrément lancer une instance du jeu. On va faire ça. Alors, j'ai fini tard hier soir le moteur du jeu, le moteur complet du jeu. Alors vous voyez, par rapport à la fois dernière, j'ai dessiné un autre biome avec des éléments de décor supplémentaires. Ça, c'est le biome forêt. C'est un des 5 biomes du jeu. Je vais simplement vous montrer la transition entre les différents niveaux. Alors j'envisage pour la version finale de faire un jeu avec 24 niveaux. Un niveau, c'est 4 écrans. Donc là, vous avez le tout premier niveau du jeu qui se divise en 4 écrans que je suis en train de parcourir. Vous retrouverez dans chacun des niveaux 4 cellules avec l'ensemble des éléments qui font le gameplay. Hein, donc les animaux à récupérer, bien évidemment, le génome, la clé, une recharge d'énergie. Et lorsque vous récupérez la clé, vous allez pouvoir, alors vous le voyez en bas de l'écran ici, vous avez une sortie qui s'active qui va me permettre de quitter le niveau et de joindre le niveau suivant. Alors là, j'ai lancé en fait une instance du jeu où j'ai désactivé complètement la récupération des clés. Donc en fait, les sorties sont automatiquement ouvertes. Donc j'ai pas besoin de récupérer quoi que ce soit, juste en profiter pour me déplacer un petit peu ici dans les différents niveaux du jeu. Je vais peut-être juste vous montrer la petite amélioration que j'ai faite par rapport à l'arme qui restait à dessiner. Hein. Donc vous voyez, j'ai rajouté simplement 3 petits dessins supplémentaires de mon personnage avec, on le voit, une arme en différentes positions. Hein. Et je peux en fait lancer mes seringues comme je le désire en choisissant parmi les 3 possibilités un angle plus ou moins important. Voilà, alors, pour passer d'un niveau à l'autre, on va devoir passer par une case de transition. Les personnes qui ont joué à la version originale du survivant connaissent très bien ce système, donc vous allez voir que j'ai gardé exactement le même principe. Donc la transition se présente comme ça, c'est en fait une cellule unique, où vous avez, on le voit, des flammes, du poison, des choses qu'il va falloir éviter, avant de se rendre dans le niveau suivant qu'on atteint, à la sortie de cette transition. Et là, vous retrouvez de nouveau un ensemble donc de 4 cellules avec, alors pour l'instant, vous le voyez, c'est le même biome que le précédent. Évidemment, il y aura un certain nombre de niveaux qui auront le même biome. En revanche, ce qui sera différent pour les 24 niveaux, ce sont les animaux. Mais pour l'instant, je ne les ai pas dessinés. J'ai toujours ma girafe que j'avais rapidement dessinée lors de la mise en place du jeu pour le Devlog 2. Et là, je vais simplement vous montrer du coup le design des premiers niveaux avec à chaque fois donc le passage par la scène de transition avec, on le voit aussi parfois, plusieurs sorties possibles hein, selon la façon dont se placent les niveaux. Donc on va passer par ici et on va joindre un niveau supplémentaire. Voilà. Et vous retrouvez, vous le voyez, de nouveau, les mêmes éléments de jeu. Donc évidemment, dans le jeu final, on ne pourra pas se balader comme ça. Il faudra, dans un premier temps, embarquer tous les animaux dans la capsule, et puis récupérer le génome et la clé, de façon à activer les sorties. Là, pour l'instant, c'est juste un petit peu d'exploration, ce qu'on fait. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? Je vais simplement rejoindre le quatrième niveau, qui est le dernier niveau que j'ai dessiné jusque-là. Donc il me reste évidemment à dessiner les 20 niveaux restants. Les autres biomes sont prêts. Il me reste aussi du coup à dessiner les animaux restants. Et puis aussi, pour finaliser le jeu, à gérer toutes ces petites transitions et tester un petit peu et débugger tout ça. Ça, je vous le présenterai dans le
le devlog numéro 4, la quatrième version, qui sera pas loin de la version finale du jeu.